vamos a dar inicio entonces a este acto académico en que la Universidad de Buenos Aires tiene el placer de recibir al doctor Castoriadis, que honra hoy con su presencia a nuestra universidad. A propuesta de la Facultad de Psicología, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha designado al doctor Castoriadis como profesor honorario de esta universidad. Hoy tenemos el placer de escuchar su conferencia, de escuchar su palabra, una palabra que viene siendo escuchada por los intelectuales desde hace largos años a través de la profusa obra del doctor Castoriadis, también conocida en Argentina. Su influencia ha sido muy grande, todos tenemos interés en escucharlo, y yo quisiera entonces, en nombre de la universidad, y en nombre del rector de la universidad, que en este momento no puede acompañarnos, hacer la entrega del diploma a través del cual nosotros simbolizamos esta designación que le ha hecho la universidad como profesor honorario de esta casa. Con ella lo recibimos, con ella lo consideramos parte integrante y esperamos que no sea esta la última ocasión, sino que como profesor honorario nos siga honrando y nos siga orientando con sus palabras. Al doctor Castoriadis entonces, nuestro agradecimiento y su diploma que lo designa profesor honorario. Más bien va a ser simplemente la bienvenida un poco más informal, que de alguna manera caracteriza lo que ha sido el estilo de trabajo de la revista. Cuando fundamos Averógena se trataba de reivindicar la posibilidad de una apuesta en favor del pensamiento crítico o la reconstrucción de un pensamiento crítico que se insertara dentro de lo que es el psicoanálisis y el pensamiento contemporáneo, y nos parecía que esa apuesta era imprescindible sin un compromiso político bastante decidido. Desde entonces hemos venido tratando de producir en ese sentido ideas y hemos intentado también ir construyendo espacios donde fuera realmente posible pensar. En ese sentido, es así que se inscribe en esa práctica, en esa trayectoria de la revista, la invitación a Castoriadis para venir a Argentina, que tiene que ver con esta apuesta que me parece cada vez más importante de reconstruir un pensamiento crítico que es imposible si no está ligado a una toma de posición política, nos parece, en favor de una sociedad autónoma, en favor de una reivindicación de la democracia directa, de la política ya no como negocio de unos pocos, sino como gestión colectiva de los intereses de una comunidad. En ese sentido, es para nosotros una enorme alegría que haya venido Castoriadis a Argentina. Nos parecía que lo correcto, que era necesario para ser coherentes con nosotros mismos, que la primera actividad fuera una actividad como esta, una conferencia pública sobre un tema como este, la cuestión de la democracia hoy, y que se hiciera en el marco de la universidad pública. Muchas gracias, hermano. Je suis très ému d'être ici avec vous ce soir. Estoy muy emocionado de estar con ustedes esta noche. J'ai aimé de vos manifestations. Y emocionado por las manifestaciones de ustedes. Et je suis ému de l'initiative de l'Université de Buenos Aires. Y también por la iniciativa de la Universidad de Buenos Aires. Et de ses titres de docteur et de professeur honoris causa. Por este título de profesor y de doctor honoris causa. Qui à mes yeux ne représente pas une simple formalité. Que para mí no es una simple formalidad. Je voulais remercier Madame la secrétaire de l'Université pour ses paroles flatteuses. Quería agradecer a la señora secretaria de la Universidad por sus palabras tan halagadoras. Je voudrais aussi remercier l'Université de Buenos Aires. También agradecer a la Universidad de Buenos Aires. Et Zona Orogena et mon ami Fernando Uribarri. A
zona erógena y a mi amigo Fernando Uribarri, qui ont rendu possible cette visite, que hicieron posible esta visita. Et je voudrais enfin et surtout vous remercier d'être là. Y sobre todo, por último, quiero agradecerles a ustedes que manifestez votre intérêt non pas tellement pour moi ou pour ce que j'ai à dire, y que manifiesten interés no solamente por mí o por lo que yo puedo llegar a decir, mais pour la question elle-même de la démocratie, sino por la propia cuestión de la democracia, qui est la question décisive pour nous tous, que es la cuestión decisiva para todos nosotros, et sans doute aussi pour le sort des générations à venir, y sin duda también para la suerte de las generaciones venideras. Je voudrais commencer par une brève rétrospective. Quería comenzar con una breve retrospectiva. Il y a 4 ans, hace 4 años, après 70 ans ou 40 ans de tyrannie monstrueuse sans précédent, luego de 70 años de una tiranía monstruosa sin precedentes, d'exploitation des populations, de explotación de los pueblos, et de étouffement de l'esprit, y de ahogo del espíritu, le régime totalitaire commençait à s'effondrer dans les pays de l'Est. El régimen totalitario comenzaba a desmoronarse en los países del Este. À ce moment, là, en ese momento, les journalistes, les politiciens, certains intellectuels, los periodistas, los políticos, algunos intelectuales, en Occident, occidentales, ont commencé à proclamer le triomphe du capitalisme. Comenzaron a proclamar el triunfo del capitalismo. Et le triomphe de la démocratie entre guillemets à l'occidental. Y el triunfo de la democracia entre comillas a la occidental. 4 ans plus tard, aujourd'hui. 4 años más tarde, ahora. Nous pouvons nous demander où en sommes-nous du triomphe du capitalisme et de la démocratie occidentale. Nous pouvons nous demander où estamos con respecto a ese triunfo de la democracia y del capitalismo a la occidental. Et la réponse n'est pas difficile. Y la respuesta no es difícil. Dans les pays riches, c'est la récession et le chômage. En los países ricos es la recesión y la desocupación. Il y a une usure sans précédent du personnel et du système politique. Hay un desgaste sin precedentes del sistema político y del personal. Il y a à l'échelle mondiale non pas un ordre nouveau mais un désordre nouveau. A escala mundial hay no un orden mundial nuevo sino un desorden nuevo. Il y a une situation explosive dans les Balkans avec des génocides tribaux. Hay una situación explosiva en los Balcanes con un genocidio tribal. Qui risque de s'étendre dans tout le territoire de l'ex-URSS. Que tiene el riesgo de extenderse a todo el territorio de la ex Unión Soviética. Il y a la misère des pays pauvres, des pays du tiers monde qui n'a pas diminué, mais qui augmente. La miseria de los países pobres del tercer mundo que no ha disminuido, sino que va en aumento. Et il y a la destruction de l'environnement qui continue. Y está la destrucción del medio ambiente que continúa. Et à laquelle les résolutions du carnaval de Rio qui a eu lieu il y a 2 ans. Y a la cual la resolución del carnaval de Río que tuvo lugar hace unos 2 años. No, rien changé. No, no cambiaron nada. Alors, il faudrait peut-être commencer par se demander. Entonces tal vez habría que empezar preguntándose. De quoi s'agit-il dans cette fameuse démocratie à l'occidentale? Bueno, ¿de qué se trata en esta famosa democracia a la occidental? Je pense pour ma part que parler de démocratie dans ce cas. Pienso por mi parte que hablar de democracia en estos casos fait partie de l'immense régression idéologique. Es parte de la inmensa regresión ideológica. Et de l'amnésie historique. Y de la amnesia histórica. Qui caractérise notre époque. Que caracteriza a nuestra época. Et qu'on voit aussi bien au plan de la réflexion politique. Y que se ve también en el plano de la reflexión política. Que de la philosophie et que de l'analyse économique. Como de la filosofía y del análisis económico. Le terme démocratie est simple et clair. La palabra democracia es simple y clara. Elle n'est pas simple dans les significations et les réalités qu'il peut recouvrir. No es simple en las significaciones y las realidades que puede recubrir. Mais il est simple dans son sens et dans son intention centrale. Pero es simple en su sentido y en su intención central. Les Grecs ont inventé ce terme en même temps qu'ils ont inventé la chose. Los griegos inventaron ese término al mismo tiempo que inventaban la cosa. Et ça correspondait à une réalité. Y eso correspondía a una realidad. C'était le kratos du démos.
et la, el trato entendemos. C'est-à-dire le pouvoir du peuple, tout simplement. Es decir, nada más y nada menos que el poder del pueblo. Il n'y a pas lieu d'interprétation philosophique ou d'herméneutique. No hay lugar para interpretaciones filosóficas o para hermenéutica. Il s'agit du peuple et de son pouvoir. Se trata del pueblo, de su poder y es todo. C'est tout. Es todo. Alors, qui peut... Sans une honteuse hypocrisie, si une vergonzosa hypocrisie, dire hoy, qu'il y a un seul pays dans cette, sur cette planète, okay, un solo país en este planeta, où le peuple a le pouvoir. Que hay un solo país en este planeta donde el pueblo tiene el poder. Considérons les régimes politiques dans les pays occidentaux. Consideremos los regímenes políticos en los países occidentales. Si nous regardons non pas la lettre des constitutions. Si miramos no la letra de las constituciones. Mais le fonctionnement réel de la société politique. Sino el funcionamiento real de las sociedades políticas. Nous constatons immédiatement que ces régimes. Comprobamos inmediatamente que esos regímenes. Sont des régimes d'oligarchie libérale. Son regímenes de oligarquías liberales. Et aucun philosophe politique du passé digne de ces noms. Y ningún filósofo político del pasado digno de ese nombre. N'aurait jamais pensé les appeler des démocraties. Se le habría ocurrido jamás llamarlos democracia. Il y aurait vu tout de suite des oligarchies. Mm. Bueno, inmediatamente hubiera encontrado que había una bonita pérdida ahí. Des oligarchies y oligarquías que estaban obligadas. De poser certaines limites à leur pouvoir. A plantear algunos límites a sus poderes. Et de laisser quelques libertés aux citoyens. Dejando algunas libertades a los ciudadanos. Libertés sur lesquelles je dirai deux mots tout à l'heure. Bueno, libertades sobre las cuales voy a decir dos palabras dentro de un momento. Quels sont les porteurs de cette oligarchie politique? ¿Quiénes son los portadores de estas oligarquías políticas? C'est évidemment la bureaucratie des partis politiques. Bah, evidentemente la burocracia de los partidos políticos. Les sommets de l'appareil de l'État. Las cimas del aparato del Estado. Les dirigeants économiques et les grands propriétaires. Los dirigentes económicos y los grandes propietarios. Le management des grandes firmes. El management de las grandes firmas. Et de plus en plus. Y cada vez más. Les dirigeants qui dominent les médias, les moyens d'information et de los dirigentes que dirigen los medios de información y de comunicación. Il est clair d'ailleurs que ces catégories sont très étroitement interpénétrées. Está claro que esas categorías están muy estrechamente interpenetradas. Il est clair aussi que también está claro pour participer à ces couches, que para participar de esas capas, il n'est nullement nécessaire ni de reste suffisant. No es de ningún modo necesario ni por otra parte suficiente. De posséder du capital au sens traditionnel du terme. Poseer capital en el sentido tradicional de la palabra. Nous vivons sous les régimes de capitalisme bureaucratique. Vivimos bajo regímenes de capitalisme burocrático. Et c'est à ce capitalisme bureaucratique que fait pendant le régime de oligarchie politique. Y a esos regímenes les hace precisamente pareja contrapartida esta burocracia. Si on veut concrétiser un peu la chose. Si queremos concretar un poco la cosa. Je prendrai l'exemple d'un pays que je connais bien, Chili. Bueno, voy a tomar el ejemplo de un país que conozco bien porque vivo allí. La France. En Francia. Le corps souverain, après la population, le corps électoral, après la constitution. El cuerpo soberano, de acuerdo con la constitución. Le corps électoral. El cuerpo electoral. Est formé à peu près de 40 millions de personnes. Está formado más o menos por 40 millones de personas. C'est le nombre des électeurs inscrits. Es el número de electores inscritos. C'est ça le peuple souverain. Ese es el pueblo soberano. Mais qui est souverain réellement? Pero ¿quién es soberano realmente? Peut-être 40 000 personnes en plus. Quizá 40 000 personas o más. Peut-être 4 000. Quizá 4 000. Au minimum. Como mínimo. C'est 4 000 ou 40 000, c'est quoi? C'est les députés, c'est les membres des partis. 40 000, 4 000, quiénes sont los diputados, los miembros de los partidos? Les membres, pardon, de l'appareil dirigeant des partis. Los miembros del aparato dirigente de los partidos. Les grands bureaucrates de l'État. Los grandes burócratas del Estado. Les grands entrepreneurs. Los grandes empresarios. Etc. Et ces personnes-là sont en fait inamovibles. Et de hecho, esas personas son inamovibles. Et dans la mesure où ces couches se renouvellent, y en la medida en que esas capas se van renovando, elles se renouvellent par autocooptation.
se renuevan por autocooptación. Alors, on nous raconte que tout cela est une démocratie représentative. Entonces nos cuentan que todo eso es una democracia representativa. Il y a un parlement qui vote les lois, etc. Que hay un parlamento que vota las leyes, etc. Et ça encore, c'est un des indices de la confusion ou de la régression idéologique. Y ese también es uno de los índices de la confusión o de la regresión ideológica. Parce que ça tombe sous le sens commun. Porque eso cae en el sentido común. Qu'à partir du moment où vous élisez des gens pour 5 ans. En el sentido de que a partir del momento en que uno elige gente por 5 años. Il est inévitable que ces gens n'auront qu'un seul souci d'abord. Es inevitable que esas personas no tengan más que una sola preocupación, en primer lugar. D'être réélus. Ser reelegidos. Jean-Jacques Rousseau, criticando precisamente la democracia representativa, escribía en el contrato social: les Anglais croient qu'ils sont libres, los ingleses creen que son libres. C'est l'époque où seule l'Angleterre avait un parlement. Era la época en que solamente Inglaterra tenía un parlamento. Ils se trompent, ils sont libres un seul jour sur 5 ans. Ah, y se equivocan, son libres un solo día cada 5 años. Mais Rousseau avait tort. Pero Rousseau estaba equivocado. Parce que les Anglais n'étaient pas libres, pas même un jour sur 5 ans. Porque los ingleses no eran libres ni siquiera un día cada 5 años. Parce que lorsque les 5 ans sont passés et vous arrivez devant les urnes. Porque cuando pasan los 5 años y nos llegan de las urnas. Vous avez à choisir entre des personnes que vous n'avez pas choisies. Hay que elegir entre gente que uno no ha elegido. Parce que les candidats sont désignés par les partis. Porque los candidatos son designados por los partidos. C'est-à-dire par le sommet de l'appareil. Es decir, por la cúpula del aparato del partido. Et ils vous proposent des programmes. Y nos proponen programas. En dehors desquels vous n'avez aucun choix. Fuera de los cuales uno no tiene ninguna posibilidad de elección, ninguna alternativa. C'est-à-dire le jeu est truqué. Es decir, que el juego está trucado. Et la question est à peu près si vous préférez. Y la cuestión más o menos si ustedes prefieren. Avoir un député brun ou un député blond. Es tener un diputado morocho o un diputado rubio. Il y a un deuxième point. Bueno, hay un segundo punto. On parle dans les pays démocratiques, entre guillemets. En los países democráticos, entre comillas, se habla. Et la loi est supposée garantir. Y se supone que la ley lo garantiza. L'égalité politique des citoyens. Bueno, de la igualdad política de los ciudadanos. Mais là encore, il tombe sous le sens, et ça a été dit 50 000 fois. Bueno, y esto ha sido dicho 50 000 veces, cae bajo su peso. Qu'il ne peut pas y avoir d'égalité politique. Que no puede haber igualdad política. Lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, une immense inégalité économique. Cuando hay, como hoy en día, una inmensa desigualdad económica. D'abord, parce que nous vivons dans une société. En primer lugar, porque vivimos en una sociedad. Dont le centre, c'est l'économie. Cuyo centro es la economía. C'est pas fatal du tout, c'est même pas bon du tout, no, mais c'est comme ça. No es fatal, no es bueno, pero es así. Et par conséquent, le pouvoir économique en tant que tel est le plus important de tous les pouvoirs. Y por consiguiente, el poder económico como tal es el más importante de todos los poderes. Et deuxièmement, évidemment, le pouvoir économique. Y en segundo lugar, evidentemente, el poder económico se traduit immédiatement et très facilement en pouvoir politique. Se traduce inmediatamente y muy fácilmente en poder político. Si j'ai 10 millions de dollars, j'achète une chaîne de télévision. Si yo tengo 10 millones de dólares, me compro una cadena de televisión. Et si j'en ai 15, j'achète en plus 2 journaux. Y si tengo 15 millones de dólares, me compro 2 diarios. Et puis d'autres font de même, et voilà comment est formée l'opinion publique. Otros hacen lo mismo, bueno, veamos así como está formada la opinión pública. Et quant à l'égalité devant la loi. En cuanto a la igualdad ante la ley. Ça fait plus d'un siècle que Bellamy, un socialiste américain de l'époque, hace más de un siglo que Bellamy, un socialista de la época, avait dit la fameuse phrase. Dijo la famosa frase. La loi interdit avec la même rigueur. Et la ley prohíbe con el mismo rigor. Aux riches et aux pauvres. A los ricos y a los pobres. De coucher sous les ponts. De acostarse bajo los puentes. On est égaux à ce point de vue. Y somos iguales. De vista. C'est clair. Está claro.
Bien entendu, tout ça, ça ne veut pas dire. Et por supuesto, que todo esto no quiere decir. Que les régimes qui existent aujourd'hui dans les pays occidentaux. Que los regímenes que existen hoy en día en los países occidentales. Valent autant que les régimes dictatoriaux ou les régimes totalitaires qui existaient ou qui existent encore. Valen tanto como los regímenes totalitarios que existían o que todavía existen. Par exemple, il existe une certaine liberté. Por ejemplo, es cierto que existe cierta libertad. Si tu me permets d'être ce soir et la que moi nos... de critiquer ce régime. La que nos permite estar aquí esta noche y a mí me permite criticar a ese régimen. Ça, c'est pas bien. Y eso no es poca cosa. Et il existe aussi une certaine égalité. Si, existe también cierta igualdad. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me condamner dans un tribunal. Es decir, no pueden condenarme ante un tribunal. D'une façon qui viole. De manière flagrante. De una manera que viole de manera flagrante. Les droits que me garantit la loi. Los derechos que me garantiza la ley. Bien que là encore, ça s'arrête. Aunque ahí la cosa se detenga. Lorsque l'affaire qui est jugée par les tribunaux n'est pas une affaire commune. Cuando el asunto que está ante la discusión en el tribunal no es un asunto común. Mais une affaire qui de près ou de loin touche. À la politique, aux affaires du gouvernement. No, pero cuando, bueno, se está tocando ahí la política o los asuntos del gobierno. Auquel cas, l'indépendance de la justice est remise dans les tiroirs. En cuyo caso, la independencia de la justicia queda adentro de un cajón. Il y a donc ces quelques libertés. Entonces hay esas libertades. Et ces libertés ne sont pas formelles, comme le disait le marxisme. Y esas libertades no son formales, como lo decía el marxismo. Elles sont partielles. Son parciales. Et surtout, elles sont défensives ou négatives. Y sobre todo, son defensivas o negativas. Je m'explique tout de suite sur ce que j'entends par là. Me explico enseguida sobre lo que entiendo por esto. Et je commence par la grande question qui a occupé la philosophie politique depuis. Y empiezo por la gran cuestión que ha ocupado la filosofía política desde hace milenios. ¿Cómo es que yo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser libre? Si vivant nécessairement en société. Si viviendo necesariamente en sociedad. Je suis soumis aux lois de la société. Estoy sometido a las leyes de la sociedad. Cette question n'est pas paradoxale. Esta cuestión no es paradójica. Ni métaphysique. Ni métaphysique. Et c'est une question qui a conduit certains penseurs anarchistes. Y es una cuestión que ha conducido a algunos pensadores anarquistas. Très respectable par ailleurs. Muy respetable por otra parte. Comme Max Stirner. Como Max Stirner. À dire qu'on ne peut pas être libre en société. A decir que no se puede ser libre en sociedad. Qu'on ne peut pas être libre aussi longtemps qu'il y a des institutions, etc. Ok, no se puede ser libre en la medida en que haya instituciones, etc. Il est évident que cette conclusion est absurde. Es evidente que esta conclusión es absurda. Qu'il doit y avoir une autre réponse. Que debe haber otra respuesta. Et je crois que cette réponse est aussi claire. Y pienso que esa respuesta es también clara. Je vis nécessairement en société. Vivo necesariamente en sociedad. Donc je vis nécessairement sous des lois. Por lo tanto, vivo necesariamente bajo leyes. Où je dois obéir aux décisions de la majorité. Donde debo obedecer a la decisión de la mayoría. Je suis libre. Soy libre. Si je peux participer effectivement. Si puedo participar efectivamente. À toutes les prises de décision. En todas las tomas de decisión. À tous les actes législatifs. En todos los actos legislativos. Etc. C'est-à-dire, la liberté, c'est cette participation effective. Es decir, que la libertad es esa participación efectiva. Au fonctionnement et aux actes des instances politiques. En el funcionamiento y los actos de las instancias políticas. Garantie, assurée et promue. Garantizada, asegurada y promovida. Par les institutions elles-mêmes. Por las propias instituciones. De façon effective et pas seulement sur le papier. De manera efectiva y no solamente sobre el papel. Et ça, le grand penseur de l'Antiquité, comme disait Marx, c'est-à-dire Aristote. Y eso, el gran pensador de la antigüedad, como decía Marx, es decir, Aristóteles. Le savait très bien. Lo sabía muy bien. Puisqu'il définissait le citoyen. Puesto que definía el ciudadano. Comme celui qui est capable de gouverner como et d'être gouverné. Que es capaz de gobernar y de ser gobernado. Les deux termes sont aussi importants, je vous prie de réfléchir. Ambos términos son igualmente importantes y les pido que piensen en eso. Voilà donc
la réalité de la situation contemporaine. Bueno, veamos entonces la realidad de la situación contemporánea. Et nous avons à réfléchir d'abord. Y en primer lugar tenemos que reflexionar. Sans vouloir faire de prophéties ni même de pronostics. Sin querer hacer profecías ni tampoco pronósticos. Dans quelle mesure le système tel qu'il existe. En qué medida el sistema tal como existe. Peut se reproduire indéfiniment. Puede reproducirse indefinidamente. Dans quelle mesure il peut assurer sa stabilité. En qué medida puede asegurar su estabilidad. Alors nous constatons depuis plusieurs décennies. Bueno, y desde hace varias décadas nosotros comprobamos. Une évolution des sociétés occidentales. Una evolución de las sociedades occidentales. Qu'on peut caractériser d'abord. Que podemos caracterizar en primer lugar. Par l'apathie politique croissante des populations. Por la apatía política creciente de los pueblos. Par le cynisme des gens. Por el cinismo de la gente. À l'égard de la politique. Con respecto a la política. Et plus profondément par la privatisation croissante des individus. Y más profundamente por la creciente privatización de los individuos. Ou comme le disait quelqu'un ce matin dans une autre discussion par leur idiotisation croissante. O como lo decía alguien hoy esta mañana en una discusión por su idiotización. Et ça n'est pas seulement un calembour parce que comme vous le savez sans doute. No es un juego de palabras simplemente porque como ustedes lo saben sin duda. Le mot moderne idiot. La palabra moderna idiota. Vient du grec idiotis. Viene del griego idiotis. Qui veut dire individu privé. Que quiere decir individuo privado. C'est-à-dire pour les anciens grecs était un imbécile. Para los antiguos griegos era un imbécil. Celui qui n'était pas capable de s'occuper d'autre chose. Aquel que no era capaz de ocuparse de otra cosa. Que de ses affaires privées. Que no fueran sus asuntos privados. Et ça, Périclès le dit en toutes lettres dans l'Épitaphe. Y eso Périclès lo dice con todas las letras en el Epitafio de Tucídides. Alors, on nous parle actuellement d'individualisme. Entonces, actualmente se nos habla de individualismo. Et on dit que vous parlez de privatisation, mais c'est le triomphe. Y se dice, bueno, hablan de privatizaciones, y es el triunfo. De la liberté de l'individu. De la libertad del individuo. Et c'était ça la grande revendication des temps modernes. Y esa es la gran reivindicación de los tiempos modernos. Mais il ne peut pas y avoir d'individualisme dans l'abstrait. Pero no puede haber individualismo en lo abstracto. On ne peut pas dire la liberté de l'individu. No se puede decir la libertad del individuo. Sans se demander de quel individu s'agit-il. Sin preguntarse de qué individuo se trata. Et qu'est-ce que cet individu tendra à faire de cette liberté. Y qué tenderá a hacer este individuo con esa libertad. Je veux dire que le type d'individu dont il s'agit. Quiero decir que el tipo de individuo del que se trata. Comme l'usage de la liberté qu'il fera. Tanto como el uso de la libertad que él haga. Sont pour 99% sont para el 99% sociologiquement déterminés. Están sociológicamente determinados. Et quel est l'individu donc aujourd'hui qui est libre? Y cuál es el individuo que hoy es libre? Ben, c'est un individu qui veut simplement consommer. Es un individuo que simplemente quiere consumir. Qui veut rester chez lui. Que quiere quedarse en su casa. Qui ne veut pas s'occuper des affaires communes. Que no quiere ocuparse de los asuntos comunes. Et le contenu qui l'usage, le contenu de l'usage qu'il fait de sa liberté. Y el contenido del uso que hace de esa libertad. Il l'a pas choisi. No lo eligió. Il lui est imposé par ailleurs. Le es impuesto. La société lui dit consommer, consommer, consommer. La sociedad le dice consuma, consuma, consuma. Les enfants de 10 ans dans les classes. Los chicos de 10 años en las escuelas. Sont malheureux et se considèrent déconsidérés. Son desgraciados y se consideran poco considerados. S'ils n'ont pas une poupée Barbie. Si no tienen. Qui a été lancée sur le marché. La muñeca Barbie que ha sido lanzada al mercado. Ou s'ils n'ont pas des chaussures Chevignon. Si no tienen zapatos Chevignon. Et autre chose de ce genre, et la même chose pour les adultes. Y otras cosas de esa naturaleza, y lo mismo vale para los adultos. Alors, derrière tout cela, entonces, detrás de todo eso, y a une énorme usure anthropologique, hay un enorme desgaste antropológico des types qui ont fait fonctionner cette société capitaliste libérale. De los tipos que han hecho funcionar esta sociedad capitalista liberal.
Je veux dire de l'ouvrier consciencieux. Quiero decir del obrero consciente, concienzudo. De l'entrepreneur entreprenant et audacieux en tant qu'entrepreneur. Empresario emprendedor como tal. Et audacieux. Y audaz, y audaz. En tant qu'entrepreneur. Como empresario, audaz como empresario. Du juge intègre. Del juez íntegro. Du bureaucrate rationnel, comme le décrivait Max Weber. Del burócrata racional, como lo describía Max Weber. Tout cela est de plus en plus démoli. Todo eso se ve cada día más demolido. Et l'explication de cette démolition est simple. Y la explicación de esa demolición es simple. Ce que la société actuelle propose et impose à tout le monde. Lo que la sociedad actual propone y impone a todo el mundo. Et en France, la gloire d'avoir mis ça vraiment en circulation appartiendra à l'avenir au Parti Socialiste. Y en Francia la gloria de haber puesto eso en circulación le va a pertenecer por siempre al Partido Socialista. C'est enrichissez-vous. Es enriquezcanse. Faites de l'argent. Hagan plata. C'est tout. Y todo. Y a rien d'autre. Nada más. Alors là-dessus, on crée aussi des comités d'éthique. Entonces ahí se crean comités de ética. Qui va? Qui charla? Alors enrichissez-vous. Entonces enriquezcanse. Je suis juge, supposons. Je suis juge, supposons. Et j'ai à juger une affaire où il y a beaucoup d'argent en jeu. Et tengo que juzgar sobre un tema donde hay mucho dinero en juego. Et je reçois un coup de téléphone, la veille du jour où je dois prononcer mon jugement. Recibo un llamado telefónico el día anterior de dar mi sentencia, a dar mi sentencia. C'est l'un des adversaires du procès qui me dit. Es uno de los adversarios de este juicio que me dice. 500 000 dollars. ¿Qué quieres? $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000. Je vous demande où dans la société actuelle. Le pregunto dónde la sociedad actual. Dans quel livre. En qué libro. Dans quelle mentalité. En qué mentalidad. Dans quel comportement. En qué comportamiento. Je trouverai la source d'inspiration et de résistance. Encontraré la fuente de inspiración para la. Pour dire à ce monsieur, non seulement je ne veux pas vos 500 000 dollars, para decirle, no solamente no quiero sus 500 mil dólares, mais j'ai enregistré notre conversation, sino que además grabé esta charla. Et demain, y mañana, je vous inculpe d'attentatif de corruption. Lo inculpo por tentativa de corrupción. Je ne trouverai nulle part. En ningún lado voy a encontrar. Ni les exemples. Ni los ejemplos. Ni les raisons. Ni las razones. Les exemples que je verrai, c'est la corruption généralisée des politiciens. Los ejemplos que veré es la corrupción generalizada de los políticos. Et de ceux qui font les lois. Y de los que hacen las leyes. Et il n'y a pas de raison. Y no hay razón. Prendrai un autre exemple. Tomaré otro ejemplo. Il y a un professeur de mathématiques à l'université, en France, par exemple. Hay, en Francia, por ejemplo, un profesor de matemáticas en la universidad. Je ne parle pas d'un professeur. Précis. No hablo de un profesor determinado. ¿Cómo dire en matemáticas? Soit un profesor de matemáticas. ¿Cómo se dice en matemáticas? Sea un profesor de matemáticas. A la faculté. En la facultad. Il doit gagner entre 15 000 et 20 000 francs par mois. Debe ganar entre 15 y 20 000 francos por mes. C'est un génie mathématique. Es un genio matemático. Rien ne l'intéresse d'autre que la recherche mathématique. Solo le interesa la investigación matemática. Peut-être qu'il a eu la médaille Fields. Quizá haya tenido la medalla Fields. L'équivalente del premio Nobel en matemáticas. Y él forma de jóvenes matemáticos. Y él forma jóvenes matemáticos. ¿Qué es lo que forman esos jóvenes matemáticos? ¿Qué van a hacer esos jóvenes matemáticos? Eh bien, ils ont le choix, si ils ont du talent. Y bueno, tienen la posibilidad, si tienen talento, de continuar a ser matemáticos. De seguir siendo matemáticos. Ils commenceront à 8-10 000 francs par mois. Y van a comenzar ganando 8-10 mil francos mensuales. Como profesor de enseñamiento secundario. Como profesores en la enseñanza secundaria. Dans le centre de recherche scientifique. O en el centro de investigaciones científicas. Ou ils peuvent entrer dans une entreprise d'informatique. O pueden entrar en una empresa de informática. Et commencer à 22 ans avec 50 000 francs. Y comenzar a los 22 años con 50 000 francos. Alors pendant combien de temps il y aura encore des professeurs? Entonces, ¿por cuánto tiempo habrá todavía profesores? De mathématiques, mais aussi dans les autres domaines. De matemáticas, pero también en otros terrenos. Si la situation est comme ça. Si la situación es como esta. Et qu'est-ce qui
adviendra des universités de l'éducation supérieure. Et qui adviendra con la universidad de l'éducation supérieure. Et pour aller au cœur de la question. Y para ir al meollo de la cuestión. Pourquoi il y aura des entrepreneurs capitalistes au sens héroïque? Porque habría, debería haber empresarios capitalistas en el sentido heroico. Sort de Balzac et de Schumpeter. En el sentido de Balzac, por ejemplo. C'est-à-dire des gens qui veulent combiner des inventions techniques et l'organisation de la production. Gente que quieran combinar la organización de la producción y la invención técnica. La pénétration des marchés, etc. La pénétration de los mercados, etc. Lorsque vous pouvez faire beaucoup plus d'argent. Cuando se puede hacer mucha más plata. En spéculant. Especulando. Dans cet énorme casino qui est devenu l'économie mondiale. En este enorme casino en que se ha convertido la economía mundial. Où il s'agit même plus seulement de la bourse. Donde no se trata ni siquiera solo de la bolsa. Mais des opérations simplement sur le champ. Pero sino de operaciones cambiarias. Qui toutes les semaines représentent plusieurs trillions de dollars. Que todas las semanas representan varios trillones de dólares. C'est-à-dire ce qu'est le produit national brut des États-Unis en une année. Es decir, lo que es el producto bruto interno de los Estados Unidos durante un año. Y a donc tous ces facteurs. Entonces están todos estos factores. Qui montrent que les types humains. Que muestra que los tipos humanos. Sont eux-mêmes des produits d'un fonctionnement de la société. Que son ellos mismos el producto de un funcionamiento de la sociedad. Et que en fait la société capitaliste avait hérité de formes. Y que de hecho la sociedad capitalista había heredado esas formas. De formes sociales antérieures. Había heredado de las formas sociales anteriores. Cette société maintenant ne peut plus les reproduire. Bueno, esos tipos, la sociedad ahora no puede reproducirlos. Et sont remplacés de plus en plus. Y son cada vez más reemplazados. Par les simples spéculateurs capitalistes. Por los simples especuladores en el terreno de los negocios. Par des politiciens corrompus. Por políticos corrompidos. Corruptos. Corruptos. Par une administration qui elle-même se désintègre et se corrompt. Por una administración que se desintegra y se corrompe a sí misma. Et dans cette atmosphère, il est clair. Y en esa atmósfera está claro. Que la seule chose qui empêche les gens. Que lo único que le impide a la gente. De mal faire, si je peux dire. Hacer mal, si puedo decir. C'est la peur de la loi pénale. Es el miedo a la ley penal y nada más. Ça, c'est un facteur de décadence de la, du système social tel qu'il existe. Ese es un sistema de un aspecto de la decadencia del sistema social tal como existe. Interno. Maintenant, il y a aussi des limites externes. Pero también hay límites externos al funcionamiento del sistema. Et bien entendu, la plus importante et la plus dramatique. Y por supuesto, el más importante y el más dramático. C'est la limite que pose l'environnement. Es el límite que impone, que plantea el medio ambiente. On admire tous ces voies. Autant que n'importe quel autre. Todos admiramos, y yo tanto como cualquier otro. Le développement économique extraordinaire des deux derniers siècles, le développement productif extraordinaire. El extraordinario desarrollo productivo de los dos últimos siglos. Où effectivement, quelle que soit la mesure qu'on passe de la production. Donde efectivamente sea cual fuere la medida que se tome de la producción. La production a augmenté beaucoup plus que pendant les 200 000 ans précédents de l'histoire de l'humanité. Que la producción aumentó muchísimo más que en los 200 000 años anteriores de la historia de la humanidad. Cela est vrai, cela a été fait sous ce système. Eso es verdad, eso fue hecho bajo este sistema. Par ce système et avec por este sistema y con este sistema. Mais on oublie une chose. Pero se olvida algo. C'est que le système a fait cela. Es que el sistema hizo eso. En mangeant les ressources naturelles qui étaient accumulées sur la planète. Comiéndose los recursos naturales acumulados en el planeta. Pendant 4 milliards d'années. Durante 4000 años. Et que ces ressources ne sont pas renouvelées. Y que esos recursos no se renuevan. Or, actuellement. Ahora bien, actualmente. Le rythme de utilisation de consommation de ces ressources. El ritmo de utilización, de consumo de esos recursos. Est parallèle au rythme d'augmentation de la production. Es paralelo al ritmo de aumento de la producción. Et cette augmentation de la production. Y ese aumento de la producción.
es necesario para el sistema. Es necesario para el sistema. No pas tellement pour des raisons économiques. No, no, no tanto por razones económicas. Mais pour des raisons politiques et sociales. Sino por razones políticas y sociales. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure revient à dire. Porque todo lo que dijimos recién equivale a decir. Que la seule chose que le système peut promettre aux gens. Que lo único que, que el sistema puede prometerle a la gente. C'est que la consommation va continuer à augmenter 2 à 3% par an. Es que el consumo siga aumentando 2 o 3% por año. Peu importe si pour le moment on est dans une récession. Poco importa que por el momento estemos en una recesión. Mais c'est clair que si cette récession se prolongeait, des questions se poseraient. Pero está claro que si esa recesión se prolongara, se plantearían cuestiones. Relativas a la réaction des populations. Relativas a la reacción de los pueblos. Et ce n'est pas seulement cela. Y no es solamente eso. Tout cela se passe uniquement avec les pays riches. Todo eso pasa únicamente con los países ricos. En train d'augmenter leur production. Que están aumentando su producción. Mais on dit tout le temps qu'il faut développer les pays sous-développés. Pero se dice todo el tiempo que hay que desarrollar a los países subdesarrollados. Quelle serait la consommation de ressources naturelles? ¿Cuál sería el consumo de recursos naturales? Si les 6/7 ou les 5/6 de l'humanité. Sí, sí, si los 5/6 de la humanidad. Qui vivent actuellement dans des conditions de pénurie extrême, de pauvreté extrême. Que viven actualmente en condiciones de escasez y de pobreza extrema. Arriver non pas au niveau des États-Unis, mais même au niveau du Portugal. Llegar, no, no digo al nivel de los Estados Unidos, pero al nivel de Portugal. Or, ça c'est le troisième point que je voulais. Bueno, y este es el tercer punto que yo quería tocar. Il y a un problème des pays du tiers monde. Ah, sí, hay un problema. Sabemos que hay un problema de los países del tercer mundo. Ce problème n'a pas été résolu. Ese problema fue resuelto. Mais maintenant, les pays du tiers monde n'attendront plus. Pero ahora los países del tercer mundo ya no esperarán más. Que les pays riches résolvent ce problème pour eux. Que los países ricos resuelvan sus problemas por ellos. Il commence à y avoir une réaction qui se réalise petit à petit. Comienza a haber una reacción que se realiza de a poco. Qui ne passe ni par les Nations Unies, ni par les CNUSED, ni par les comités pour le développement. Que no pasa ni por las Naciones Unidas, ni por los comités para el desarrollo. Ni por les gouvernements. Ni por los gobiernos. Qui prend tout simplement la forme d'un nouveau, très grand mouvement migratoire des peuples. Y que toma simplemente la forma de un nuevo y gran movimiento migratorio de los pueblos. En Europe, par exemple, c'est de plus en plus évident. En Europa, por ejemplo, cada vez más evidente. Il y a une pression croissante. Que hay una presión creciente. Des migrations venant bien du sud que de l'est. De migraciones que provienen tanto del sur como del este. Que les gouvernements ne sont pas capables de la contrôler. Que los gobiernos no son capaces de controlar. Malgré les lois de Pascual et d'autres. A pesar de las leyes de Pascual y otros. Il pourrait la contrôler sous une condition. Podrían controlarla con una condición. C'est de transformer l'Europe actuelle dans la forteresse Europe de Hitler. Es de transformar la Europa actual en la fortaleza de Hitler. C'est-à-dire de faire sillonner tout le temps la Méditerranée par des torpilleurs, des. Es decir, de hacer que en el Mediterráneo hubiera torpedos y ametralladoras y armas. Et de reconstituer un mur de Berlin à l'est. Et reconstituir un muro de Berlín en el este. Qui ne passe plus seulement 10 km, mais 10 000 km. Que no tuviera solamente 10 km, sino 10 000 km. Ça, évidemment, implique des transformations politiques énormes à l'intérieur. Pero eso, precisamente, implica transformaciones políticas enormes en el interior de esos países. Ça implique des régimes dictatoriaux, sinon totalitaires. Eso implica regímenes dictatoriales, si es que no totalitarios. C'est la fin de sociétés pseudo-démocratiques telles qu'on les connaît. Sería el fin de las sociedades pseudo-democráticas. Alors, est-ce que à cette situation il y a une réponse? Entonces, es que para esta situación hay una respuesta. Est-ce qu'il y a une solution alternative? ¿Hay una solución alternativa? Je pense qu'il y a. Pienso que hay. Et que cette solution, cette réponse, y que esta solución, esta respuesta, c'est l'instauration d'une société autonome, es la instauración de una sociedad autónoma, d'une société qui s'autogouverne, de una sociedad que se autogobierne, qui n'est rien d'autre que l'idée de la démocratie, que no es otra cosa que la idea de la democracia,
pensée rigoureusement et jusqu'au bout. Pensava rigorosamente e hasta il final. Ça implique évidemment des changements considérables. Esto implica evidentemente des cambios considérables. Et ça soulève des grandes questions sur. Y esto despierta grandes preguntas acerca. Le désir des peuples actuels. Acerca del deseo de los pueblos actuales. De sortir vraiment du système présent. De salir verdaderamente del sistema presente. Mais avant d'arriver là. Pero antes de llegar allí. Je voulais dire deux mots sur la manière dont on pourrait concevoir. Quisiera decir dos palabras sobre la manera como se podría concebir. Une société véritablement démocratique. Una sociedad verdaderamente democrática. Et cela non pas tellement pour nous satisfaire nous-mêmes intellectuellement. Y eso no tanto como no tanto para satisfacernos nosotros mismos intelectualmente. Mais parce que je pense que un des facteurs qui inhibe actuellement. Sino porque pienso que uno de los factores que actualmente inhibe. La possibilité des gens. La posibilidad de la gente. De revenir vers une activité politique créative. De volver hacia una actividad política creativa. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'autre solution. Es la idea de que no hay otra solución. Ou la chanson qui leur a été chantée pendant très longtemps. Oh, la canción que tanto tiempo se les cantó. Et qui a été rechantée avec beaucoup plus de force après 1989. Y que fue cantada con mucha más fuerza después de 1989. Vous voyez bien. Quand on veut changer la société, où ça aboutit? Ustedes ven bien cuando se quiere cambiar la sociedad, ¿a qué lleva eso? Bref, ou bien vous êtes content avec Madame Thatcher, ou bien c'est le goulag. Ustedes están o bien contentos con la señora Thatcher o bien es el goulag. Alors, il est important, je crois, de montrer. Entonces es importante, creo. Que ce dilemme est tout à fait mystificateur et montrer que ce dilemme est absolument mystificateur et falaz. Et qu'une société démocratique véritable est possible. Et qu'une société démocratique et verdadera est possible. Pourvu évidemment que les gens font ce qu'ils doivent faire. En la medida en que la gente haga lo que debe hacer. Non seulement pour l'instaurer, mais surtout. Non, non solo para instaurarla, sino sobre todo. Pour la faire fonctionner. Para hacerla funcionar. Alors, deux mots sur ce que serait une telle démocratie. Bueno, entonces, dos palabras sobre lo que sería tal democracia. Évidemment, il ne peut s'agir d'une démocratie représentative au sens actuel. Evidentemente, no podría tratarse de una democracia representativa en el sentido actual del término. Le pouvoir du peuple exige une démocratie directe. El poder del pueblo exige una democracia directa. Ça veut dire que toutes les décisions importantes. Y eso quiere decir que todas las decisiones importantes. Sont prises par les collectivités qui sont concernées. Son tomadas por las colectividades involucradas, concernidas. Qu'il n'y a pas d'aliénation du pouvoir de la collectivité. Que no hay alienación del poder de la colectividad. Entre les mains de prétendus représentants. Entre las manos de los pretendidos representantes. Alors, une telle démocratie directe, comme vous le savez, a existé, a fonctionné dans l'Antiquité. Entonces, ustedes saben que una. La democracia directa así funcionó en la antigüedad. Dans plusieurs villes grecques. En varias ciudades griegas. Et notamment à Athènes. Y sobre todo en Atenas. Et des tentatives de la réinstaurer. Y tentativas de reinstaurarla. Sont toujours apparues dans les temps modernes chaque fois. Aparecieron en los tiempos modernos cada vez. Qu'il y a eu un vrai mouvement populaire démocratique. Que hubo un verdadero movimiento popular democrático. Aussi bien en Amérique du Nord en 1776. Tanto en América del Norte en 1776. Que pendant la Révolution française. Como durante la Revolución Francesa. Qu'avec les premières formes d'organisation du mouvement ouvrier. Como en las primeras formas organizativas del movimiento obrero. Et aussi tard que avec la Révolution hongroise en 1956. Y también en el 56 con la Revolución húngara. Mais on nous dit. Pero se nos dice. Vous oubliez que dans les nations modernes. Usted olvida que en las naciones modernas. La société politique n'a plus les dimensions de la société athénienne. Las sociedades no tienen la dimensión de la sociedad ateniense. Il ne s'agit pas d'organiser 30 000 citoyens. No se trata de organizar a 30 000 ciudadanos. Mais 30 millions. Sino a 30 millones o. Même 300 millions. O incluso a 300 millones. Et là, la démocratie directe serait impossible. Y ahí la democracia directa sería imposible. La réponse est que cela n'est pas vrai. La respuesta es que eso no es verdad. Et que la démocratie directe sera possible. Y que la democracia directa será posible. Si
qu'il y a d'abord une très importante décentralisation. Sí, en primer lugar hay una muy importante descentralización. Une décentralisation au maximum. Una descentralización al máximo. C'est-à-dire si les unités politiques de base. Es decir, si las unidades políticas de base. Sont des unités disons de l'ordre de 10 à 30 000 citoyens. Son de l'ordre de 10 à 30 000 ciudadanos adultos. Hombres y mujeres, por supuesto. Et que ces collectivités sont souveraines. Y que esas colectividades son soberanas. Pour tout ce qui concerne leur vie. En todo lo que concierne a su vida. Et qui n'empiète pas sur la vie des autres. Y que no sea algo que vaya a bueno a poner un pie sobre la vida del otro. Dans ces collectivités, les choses pourront être décidées par des assemblées générales. En esas colectividades, las cosas podrían ser decididas por asambleas generales. Et ces assemblées générales pourront être. Y esas asambleas generales podrán ser. Continuer, si je peux dire, puisque le peuple ne peut pas être en assemblée générale. Continuar, si puedo decir, puesto que el pueblo no puede estar en asamblea general todos los días. Par des conseils de délégués élus. Por consejos de delegados elegidos. Mais révocables à tout instant. Pero revocables en todo momento. Et devant rendre régulièrement compte devant les citoyens. Y que deban dar regularmente cuenta ante los ciudadanos. De ce qu'ils ont fait entre deux sessions d'une assemblée générale. De lo que han hecho entre dos sesiones de una asamblea general. On aurait ensuite une coordination entre ces unités de base. Entonces habría luego una coordinación entre esas unidades de base. Par des délégués également élus et révocables. Mediante delegados elegidos y revocables. Et là on peut prévoir plusieurs niveaux de fédération. Y ahí si se puede decir, se podría prever varios niveles de fédération. Disons un niveau de qui passerait de 20 à 30 000. Un nivel que pasaría de 20 a 30 000. À 2 millions, 3 millions. À 2 millions, 3 millions. C'est le niveau d'une grande région actuelle. C'est le niveau d'une grande région actuelle. Puis à des niveaux de l'ordre de 20 millions, 30 millions. Et puis à niveau de 20 millions, à 30 millions. C'est le niveau de la nation. Et c'est le niveau de la nation. Et on peut l'espérer à des niveaux encore plus larges. Et incluso se le peut espérer à des niveaux incluso plus amplios. Intégrant des continents et peut-être, espérons-le un jour, l'humanité entière. Que intègre les continents et espérons que algún día à l'humanité entière. Alors, la règle dans ce cas-là serait. Entonces, la règle en esos casos sería. Que là encore, toutes les décisions importantes. Que allí, todas las decisiones importantes. Seraient prises par référendum du peuple. Fueran tomadas por referéndum del pueblo. Après une discussion suffisante. Luego de una discusión suficiente. Et une information suffisante, et ça c'est très important. Información suficiente, y eso es muy importante. Parce que là nous touchons à un autre aspect de la politique actuelle. Porque ahí tocamos a otro aspecto de la política actual. Que généralement on passe sous silence. Que generalmente se deja en silencio. Je tenterai de le montrer avec deux exemples. Voy a tratar de mostrarlo con dos ejemplos. Toutes les décisions qui sont prises actuellement. Todas las decisiones que se toman actualmente. Sont motivées. Están motivadas. Par des motifs occultes. Por motivos ocultos. Et les processus effectifs par lesquels les décisions ont été prises. Y los procesos efectivos por los cuales han sido tomadas. Ne sont jamais portés à la connaissance du public. No son nunca llevados a conocimiento del público. Les pouvoirs publics. Los poderes públicos. Vivent en un mundo privado, si puedo decirlo. Le pouvoir public est objet de l'appropriation. El poder público es objeto de la apropiación de algunas categorías qui décident entre elles. Que deciden entre ellas. Et ça, c'est la réalité officielle. Y esa es la realidad oficial. Je pense que l'État argentin a des archives. Pienso que el Estado argentino tiene archivos. Certainement. Ciertamente, ¿no? Est-ce que vous avez jamais essayé d'avoir accès à ces archives? ¿Alguna vez trataron de tener acceso a esos archivos? Je ne parle pas des actes de naissance. No, no hablo, por supuesto, de los certificados de nacimiento. Alors, sous quelles conditions a été décidé, disons, por ejemplo, digamos, l'expédition des Malvinas. ¿En qué condiciones se decidió la expedición a las Malvinas? Qui l'a prise, comment, après quelle discussion? ¿Quién la tomó? ¿Después de qué discusión? ¿Otro tema? C'était la dictature. Era la dictadura. La France, c'est pas une dictature. Francia no es una dictadura. Essayez donc de savoir. Traten de saber. Sous quelles conditions ont été prises les décisions concernant la guerre d'Algérie. Traten de saber en qué condiciones se tomaron las decisiones respecto de la guerra de Argelia. ¿Quién tomó qué decisión? À quel moment? ¿En qué momento? La guerre d'Indochine.
o la guerra de Indochina. Les archives officielles de la France, los archivos oficiales de Francia, sont encore secrets, siguen siendo secretos, jusqu'à compris la période de la Deuxième Guerre mondiale. Hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial. C'est-à-dire, si votre grand-père a été tué en 40, si el abuelo de alguno de ustedes lo mataron en el año 40, votre père pendant la guerre d'Indochine, y el padre ustedes en la guerra de Indochina, ou votre frère pendant la guerre d'Algérie, o al hermano de alguno en la guerra de Argelia, por ejemplo, et bien, il faut attendre encore 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Y bueno, hay que esperar 10, 20, 30 años pour apprendre pourquoi il est mort. Para saber por qué murió. ¿Quién tomó la decisión que hizo que esa persona fuera muerta? Segundo ejemplo. Nous avons en France un président. En Francia tenemos un presidente. Qui a plusieurs vertus et plusieurs défauts. Que tiene varias virtudes y varios defectos. Mais que les commentateurs des journaux se plaisent à appeler le Florentin. Pero que los comentaristas de los diarios se divierten en llamar el Florentino. Ce qui lui plaît beaucoup parce que. Cosa que le gusta mucho porque eso lo halaga. Ça lui donne un parfum maquiavélique. Ah, il a un perfume maquiavélico. Alors il y a à peu près un an en ce moment. Entonces hace más o menos un año. La grande discussion s'est portée sur le traité de Maastricht. Bueno, la gran discusión se refería al Tratado de Maastricht. C'est-à-dire si vraiment le peuple, si la France, es decir, si Francia allait ratifier ce traité, iba a ratificar ese tratado. Était une nouvelle étape vers l'Union européenne. Que fue una nueva etapa hacia la Unión Europea. Alors en France, il suffisait que le Parlement vote. Entonces en Francia bastaba con que el Parlamento vote. Et probablement il y avait la majorité, pas probablement, certainement il y avait la majorité dans le Parlement. Y ciertamente había mayoría en el Parlamento. Mais les sondages d'un côté commençaient à tourner mal. Pero las encuestas empezaban a andar mal, por un lado. Et il apparaissait que la majorité de la population voulait. Entonces parecía que la mayoría del pueblo que quería. Ce traité ese tratado diminuait de plus en plus. Disminuía cada vez más. Et en même temps, y al mismo tiempo, le président Florentin, el presidente Florentino, voulait réaliser un coup politique. Quería dar un golpe político. Pour restaurer l'éclat du Parti socialiste. Para restaurar el esplendor del Partido Socialista. Qui était pas mal terni par une série de scandales de corruption, etc. Que había sido de alguna manera bastante ajado por una serie de escándalos y de corrupciones. Il a donc pris la géniale et machiavélienne décision. Tomó entonces la genial y maquiavélica decisión. De convoquer le peuple à un référendum pour voter oui ou non pour le traité de Maastricht. De convocar al pueblo a un referéndum para votar por sí o por no al Tratado de Maastricht. Alors évidemment notre époque est une époque du plastique. Entonces evidentemente nuestra época es la época del plástico. Et les Florentins que nous avons sont des Florentins. Ya estaba lejos de ser el triunfo. Mais c'est pas l'essentiel. Pero ahí no está lo esencial. Si le traité de Maastricht est finalement ratifié et devient loi de la communauté européenne. Si el tratado finalmente ratificado se convierte en ley de la comunidad europea. Vous aurez très rapidement dans toutes les facultés de droit de l'Europe. Entonces se entrará rápidamente en todas las facultades de derecho de Europa. Une ou plusieurs chaires. Una o varias cátedras. Sur le traité de Maastricht. Sobre el tratado de Maastricht. Et des thèses de doctorat, tesis de doctorado, especializaciones. Le traité fait 3000 pages. El tratado tiene 3000 páginas. Il n'y a pas un article du traité qui soit rédigé autrement que. No hay ningún artículo del tratado que esté redactado de otro modo que. L'article présent. El artículo presente. Modifie l'article 97. Modifica el artículo 97A. De la convention de 1982. De la convención de 1982. Là, a été partiellement modifié par la convención parcialmente modificado por el artículo 314. C'est-à-dire la République française a eu le culot. Es decir, que la República Francesa tuvo el descaro. De montrer son caractère démocratique. Demostrar su carácter democrático. En soumettant à la votation populaire. Sometiendo a voto popular. Un document sur lequel les experts sobre el cual los expertos vont continuer à se quereller pendant van a
van a seguir peleándose en las próximas décadas. Ça, c'est la religion de la démocratie contemporaine. Eso es lo ilusorio de la democracia. Et je dis ça pour dire que ça n'a pas de sens de soumettre à l'agenda référendum des décisions. Digo con esto que no tiene sentido someter a un referéndum de decisiones. Sur lesquelles les gens ne peuvent pas décider en connaissance de cause. Sobre el cual la gente no puede decidir con conocimiento de causa. Parce qu'ils ne sont pas informés. Porque no están informados. Et le cas échéant, parce que par la nature de la chose, ils ne pourraient pas l'être. Y llegado el caso, porque por la naturaleza de la cosa no podrían estar informados. Ça, c'est la nature du régime qui produit de telles situations. Esa es la naturaleza, la índole del régimen que produce tales situaciones. Tout cela pour justifier l'idée qu'il peut et il doit y avoir un mandat. Para justificar la idea de que puede y debe haber referéndum. A condition que les gens soient formulés. A condición de que la gente esté formulada. Que la discussion publique soit proportionnelle à l'importance de l'enjeu. Que la discusión pública sea proporcional a la importancia de lo que se juega, autrement, de la apuesta. Autrement dit, pour dire que l'information elle-même est l'une des principales tâches de la société démocratique. Esto para decir que la información misma es una de las principales tareas de la sociedad democrática. Alors, je pourrais continuer, je dirais d'ailleurs deux ou trois choses encore. Entonces yo podría continuar, voy a decir todavía dos o tres cosas más. Par exemple, dans une société autonome, ejemplo, la liberté des individus. Que en una sociedad autónoma, la libertad de los individuos. Et des groupes ou des associations volontaires. Y de los grupos o asociaciones voluntarias. Doit être assuré et étendu encore plus que le est aujourd'hui. Debe ser asegurado y extendido más de lo que lo está hoy en día. Parce que si les individus ne sont pas effectivement libres, la collectivité ne peut pas être libre. Porque si los individuos no son efectivamente libres, la colectividad no puede serlo. Mais une société démocratique ne prendra pas cette liberté comme simplement quelque chose à défendre. Pero que una sociedad democrática no tomará esto simplemente como algo a defender. Comme si les individus venaient au monde avec une petite machine à leur intérieur. Como si la gente viniera al mundo con una pequeña maquinita. Qui incarnait leur liberté. Que encarnara su libertad. Et qu'il suffisait de ne pas l'empêcher à retourner pour que les individus soient libres. Y que bastara con no impedirle que funcionara para que los individuos fueran libres. Une société vraiment démocratique devra savoir qu'il faut former des individus libres. Una sociedad democrática debe saber que hay que formar individuos libres. Que ça, c'est une tâche énorme. Que esa es una tarea enorme. Que ça incombe à l'éducation des individus. Y eso le incumbe a la educación de los individuos. Que l'éducation, c'est pas l'instruction. Que la educación no es la instrucción. L'éducation des citoyens démocratiques, c'est pas leur apprendre l'arithmétique. Eso no es cuestión de enseñarles aritmética solamente. Même si l'arithmétique est nécessaire pour vivre. Incluso si la aritmética es necesaria para vivir. L'éducation, c'est ce que les Grecs appelaient pédagogie. La éducation est ce que les Grecs llamaban pédagogie. C'est-à-dire vraiment transformer le petit animal en homme, en femme, au sens plein du terme. Es decir, transformar a ese pequeño animal en hombre o mujer en el verdadero sentido, en el pleno sentido de la palabra. Responsable, capable de se décider. Responsable, capaz de decidirse. Et que, en dehors de la pédale de l'éducation. Y que al margen de la pédale de la educación. Il est évident que l'éducation à la liberté. Es evidente que la educación para la libertad. Ne peut se faire que par l'exercice de cette liberté. No puede hacerse sino mediante el ejercicio de esa libertad. C'est-à-dire que l'éducation des citoyens dans une démocratie. Es decir que la educación de los ciudadanos en una democracia. C'est de leur donner toutes les occasions pour exercer des pouvoirs. Es darles todas las ocasiones para ejercerla. Pour apprendre ce que c'est vraiment que gouverner. Para aprender lo que es realmente gobernar. Ça implique évidemment la participation de tous. Eso implica evidentemente la participación de todos. À toutes les instances qui exercent un pouvoir. En todas las instancias en que se ejerce un poder. Et il va de soi. Y cae de maduro. Que dans une société où nous passons à peu près un tiers de notre vie à travailler. Que en una sociedad donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida trabajando. Il ne peut pas y avoir d'autogouvernement véritable. No puede haber verdadero autogobierno. Si cet autogouvernement n'est pas aussi l'autogouvernement. Si ese autogobierno no es también el autogobierno. Des collectifs de travail. De los colectivos de trabajo. C'est ce qu'on peut appeler la gestion collective de la production. Eso que se puede llamar la gestión productiva, la gestión colectiva de la producción. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pero no voy a extenderme en eso.
Voy a llegar al último punto. Quelles sont les possibilités et les probabilités pour que nous puissions passer para que podamos pasar à une société de ce type. A una sociedad de ese tipo. Peut-être il ne serait pas mauvais de rappeler. Quizá no esté mal recordar. Que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas mes rêves personnels. Que todo lo que acabo de decir no son mis ensoñaciones personales. C'est par exemple à cela que visait vraiment le mouvement ouvrier à son origine. Es a eso apuntaba verdaderamente el movimiento obrero en su origen. Cuando los obreros voulaient instaurer une société libre et égalitaire. Cuando los obreros querían instaurar una sociedad libre e igualitaria. Et avant que ce mouvement ouvrier soit confisqué. Antes de que ese movimiento obrero fuera confiscado. Par le marxisme sous ses différentes formes. Por el marxismo en sus diferentes soit formes. Social-démocrate ou bolchevique. Que sea, ya sea socialdemócrata o bolchevique. Et c'est ça qu'on a retrouvé aussi chaque fois, par exemple. Y eso es lo que se ha encontrado cada vez, por ejemplo. Les travailleurs de plusieurs pays. Que los trabajadores de diversos países. Ont essayé de s'organiser, que ce soit en Catalogne, en 37. Que intentaron organizarse, ya sea en Cataluña, en el 37. Ou en Italie du Nord, o en Italia del Norte, en el 20 o el 21, ou en Hongrie, en 56, o en Hungría en el 56, ou même à Paris en 1871, lors de la Commune. O incluso en París en la época de la Comuna. Es decir, que lo que trato de decir con esto es la desembocadura, tel que je suis capable de le voir, tal como yo soy capaz de verlo. De toutes les tentatives d'instaurer une société démocratique autonome, de instaurer une société démocratique autonome qui a eu dans l'histoire. Avec la tentative aussi de répondre aux difficultés qui ont surgi lors de la révolution. Con las dificultades que han surgido al intentar hacerlo. Mais revenons à la situation actuelle. Pero volvamos a la situación actual. Bien entendu, tel qu'on voit le peuple aujourd'hui, por supuesto, tal como se ve a los pueblos hoy en día, il n'y a pas de mouvement, no hay movimiento qui semble aller dans cette direction. Que parezca ir en esta dirección. Bien entendu aussi, ça ne veut rien dire sur ce qui peut se passer demain. Evidentemente no quiere decir que esto no pueda pasar mañana. Mais nous pouvons réfléchir. Pero podemos reflexionar. Sur les facteurs qui pourraient pousser les gens dans cette direction. Pero podemos reflexionar acerca de los factores que podrían empujar a la gente en esa dirección. Ou au contraire les maintenir dans l'état actuel. O en cambio mantenerlos en el estado actual. Les facteurs qui pourraient pousser les gens dans cette direction. Los factores que podrían empujar a la gente en esa dirección. Ça pourrait être certes le désir de la liberté. Desde luego se podría ser el deseo de la libertad. De la vraie liberté. De la verdadera libertad. Et la saturation et le dégoût. Et la saturación, el asco, el disgusto. Par rapport à la situation actuelle. Con respecto a la situación actual. Je ne vais pas élaborer ces deux points. No voy a elaborar estos dos puntos. Je préfère élaborer un peu plus les points qui semblent négatifs. Prefiero elaborar un poco más los puntos que parecen negativos. Ça, non pas parce que je suis pessimiste, y esto no es porque yo sea pesimista, como a veces se dice. Sino porque pienso que nuestro primer deber es la lucidez. Et que la lucidez consiste d'abord à voir les facteurs qui peuvent nous être contraires. Y que la lucidez consiste en ver los factores que pueden ser más contrarios. Alors il y a deux facteurs que je voudrais citer. Entonces hay dos factores que yo querría citar en este orden. Qui me semblent importants et nouveaux. Que me parecen importantes y nuevos. Le premier c'est que l'évolution des sociétés modernes. El primero es que la evolución de las sociedades modernas. Tend à détruire. Tiende a destruir. Toutes les unités de socialisation significatives. Todas las unidades de socialización significativas. Je veux dire par là qu'elle tend à détruire les villages. Quiero decir con esto que tiende a destruir las ciudades. Qu'elle tend à détruire les quartiers. Destruir los barrios. Qu'elle tend à détruire l'entreprise comme lieu où les gens peuvent se socialiser. A destruir a la empresa como lugar donde la gente puede socializarse. Et que le capitalisme moderne est même en train de réussir cet exploit. Y que el capitalismo moderno incluso está en vías de lograr esta hazaña.
de détruire une des créations les plus merveilleuses et les plus géniales de l'humanité depuis 6000 ans. De détruire une des créations les plus géniales de l'humanité depuis 6000 ans. C'est-à-dire à détruire la ville. Et dire à détruire la ciudad. La ville actuelle est détruite parce qu'elle est de plus en plus morcelée. Et la ciudad actuelle est détruite parce qu'elle est cada vez más fragmentada. Elle est morcelée en trois gros tronçons. Está fragmentada en tres importantes trozos. Entre eux, des rapports tout à fait extérieurs. Que tienen entre ellos relaciones absolutamente exteriores. C'est-à-dire des centres d'affaires, de commerce. Decir, centros de negocios, de comercio, de oficinas, etc. Des zones résidentielles riches. Zonas residenciales ricas. Et des ghettos. Y ghettos. Mais l'addition de ces trois choses ne fait pas une ville. Pero la suma de estas tres cosas no hace una ciudad. Et c'est tout à fait différent que le fait que dans les villes traditionnelles, il pourrait y avoir des quartiers riches et des quartiers pauvres. Y esto es diferente al hecho de que en las ciudades tradicionales pudiera haber barrios ricos y barrios pobres. Or, il est tous les mouvements sociaux importants qu'on a connus. Ahora bien, todos los movimientos sociales importantes que se han conocido se sont toujours appuyés. Siempre se apoyaron. Sur des socialisations et des collectivisations existantes. Sobre socializaciones y colectivizaciones existentes. Il s'agit des mouvements des paysans, il s'agit des mouvements des ouvriers. De campesinos, comme movimientos de obreros. Ça partait des entreprises. Eso partía de las empresas. Les insurrections du 19e siècle, ça partait des quartiers d'ouvriers des villes. Et la insurrection du siècle 19, ça salía de los barrios de obreros. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'une société atomisée au point où l'est la société contemporaine. Y la cuestión que se plantea ahora es que es una sociedad atomizada como lo es la contemporánea. Peut devenir la source. Puede convertirse en la fuente, en el origen. De mouvements collectifs démocratiques. De movimientos colectivos democráticos. De gens qui s'ignorent totalement. Gente que se ignora totalmente. Étrangers, et même la plupart du temps. Son extraños entre sí. Hostiles les uns aux autres. Y la mayoría de las veces hostiles unos a otros. Et la deuxième question qui est encore plus lourde. Y la segunda cuestión que incluso es más pesada. C'est celle qui concerne l'enracinement de cette apathie actuelle. Es la que concierne a la raigambre de esta apatía actual. Et se tournant vers la consommation. Y ese giro hacia el consumo. Vers ce que j'appelle l'onanisme consommationniste et télévisuel. Lo que yo llamo el onanismo consumidor y televisual. Tout le monde sait que les sociétés contemporaines, les sociétés occidentales en tout cas, que la sociedad contemporánea, la occidentale en todo caso, sont les premières sociétés dans l'histoire de l'humanité. Son las primeras sociedades en la historia de la humanidad. Où la religion ne joue plus un rôle central. En que la religión ya no juega un rol central. Et certes, ce n'est pas moi qui le regretterais. Y ciertamente no sería yo quien lo lamentara. Mais il ne faut pas oublier que les religions, à leur façon mystificatrice, que las religiones a su manera mystificadora, ont toujours joué un rôle important, fondamental, siempre dans l'institution de la société. Siempre jugaron un rôle importante, fundamental en la institución de la sociedad. Pourquoi? Okay. C'est pas simplement comme on l'a dit. No simplemente como se ha dicho. Qu'elle donnait complément solennel de justification à l'ordre social. No era como decía Marx que le daba un complemento de justificaciones solemnes al orden social existente. C'est beaucoup plus profond que ça. Es algo más profundo que eso. L'homme est un animal qui cherche le sens. El hombre es un animal que busca el sentido. L'homme est un animal qui vit de sens beaucoup plus que de pain. Un animal que vive más de sentido que de pan. Et qui est-ce qui fournissait le sens à la vie humaine qui era lo que le proveía sentido a la vida humana en las sociedades pasadas? C'était la religion. La religión. C'était la religion qui disait, vous êtes nés pour ça. Era la religión la que decía, ustedes han nacido para esto. Et Dieu a dit qu'il faut que vous viviez comme ça. Y Dios ha dicho que es necesario que ustedes vivan de esta manera. Et votre mort elle-même a un sens. Y vuestra propia muerte tiene un sentido. Parce que par exemple, porque, por ejemplo, ce soir vous dînerez avec Allah au paradis.
Porque esta noche ustedes comerán con Alain en el paraíso. Y ustedes estarán en el regazo de Dios. Etcétera. O en otras culturas con otras formas. Oh. Sous cette forme, ce sens n'est plus fourni par la religion aux individus contemporains. En esas formas, ese sentido ya no es más provisto a los individuos por la religión en las sociedades contemporáneas. Et c'est bien entendu une énorme libération. Y es por supuesto una enorme liberación. Parce que cette façon de donner du sens à la vie. Porque esa manera de darle sentido a la vida. C'est l'expression même de l'hétéronomie. Es la expresión misma de la heteronomía. D'ailleurs, réfléchissez un peu. Además, piensen un poco. Si vous êtes chrétien, pourquoi il ne faut pas tuer? Si ustedes son cristianos, ¿por qué que no hay que matar? Bah, parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer. Porque Dios dijo que no hay que matar. C'est un des commandements, c'est le cinquième. ¿Es el quinto mandamiento? ¿Quién hace su catecismo? ¿Quién hizo el catecismo acá? Fernando, lo que yo sé, Fernando va a controlarme. Yo creo que el séptimo es el adulterio. Yo creo que el séptimo es el adulterio. Bueno, en todo caso hay un mandamiento. Bueno, si no hay que cometer adulterio, es porque Dios lo prohíbe. Alors, vous pouvez me demander pourquoi ça l'intéresse. Y entonces uno se puede preguntar, ¿por qué le interesa a Dios eso? Esa es otra cuestión. Es otro tema, y ustedes no tienen derecho a plantear esta cuestión. ¿Y por qué vous devez vous aimer les uns les autres? ¿Y por qué tienen que amarse ustedes unos a los otros? Es parce que Jésus l'a dit. ¿Y porque Jesús lo dijo? C'est pas parce que c'est bien. No es porque esté bien. Ou c'est bien parce que Jésus a dit que c'est bien. Es porque Jesús dijo que estaba bien. Alors ça paraît drôle, mais c'est pas drôle, c'est très profond. Entonces eso parece cómico, pero no es cómico, es muy profundo. C'est l'hétéronomie. Es la heteronomía. La base de l'éthique chrétienne. La base de la ética religiosa. Y de toda ética religiosa. C'est le commandement de Dieu. Es el mandamiento divino. Y c'est pour ça que c'est des éthiques hétéronomes. Y por eso que son éticas. Et les sociétés qui sont basées là-dessus sont des sociétés hétéronomes. Y las sociedades que se han basado en esto son sociedades heteronómicas. Parce que non seulement les commandements, mais le sens de la vie. Porque no solo los mandamientos, sino el sentido de la vida. Vient de l'accord de la vie individuelle. Viene de la concordancia de la vida individual. Avec l'esprit de la religion. Con el espíritu de la religión. Aujourd'hui, ça a foutu le camp. Bueno, eso ahora terminó. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des tentatives de retour. Es por eso que asistimos a tentativas de retorno. Soit à des sources sans religieuses, comme par exemple. Ya sea a fuentes de sentido religioso, como por ejemplo. Dans les pays islamiques ou en Inde. En los países islámicos o en la India. Où les populations refusent la destruction du sens qu'implique la modernité. Donde las poblaciones rehusan la destrucción del sentido que implica la modernidad. Une modernité qui ne peut rien leur donner d'autre. Una modernidad que no puede darles otra cosa. À la rigueur de la consommation accrue. Que más que consumo acrecentado. Du reste, elle leur donne même pas ça. Incluso tampoco les da eso. Donc les gens se crispent sur leur religion traditionnelle. Entonces la gente se crispa sobre las religiones tradicionales. Ou bien comme maintenant dans les Balkans, mais même plus généralement. O bien como ahora en los Balcanes, o más generalmente. Ils retournent vers un nationalisme, un tribalisme. Vuelven hacia un nacionalismo, un tribalismo. Parce que. ¿Por qué? Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Puede parecer asombroso, pero es así. Il y a des gens qui disent, ma vie a un sens. Si je tue les musulmans pour qu'il y ait une grande servie. Hay gente que se plantea. Ma vie a un sens. Si je tue les musulmans. Si mato musulmanes. Pour qu'il y ait une grande servie. Para que haya una gran servia. Jewish, Cristiana y ortodoxa. Bon. Mais pour la majorité des gens dans les pays riches, pero para la mayoría de las personas en los países ricos, no es así. Et la consommation
la televisión, el consumo, la televisión, todos esos fenómenos son des espèces de compensations, son especies de compensaciones par rapport au vide de la vie, con respecto al vacío de la vida, au vide de sens de la vie, al vacío del sentido de la vida. On sait pas pourquoi on vit, no se sabe por qué se vive, ni, pourquoi on va mourir, ni por qué se va a morir. Alors on achète une nouvelle voiture, entonces se compra un nuevo auto, ou on regarde notre feuilleton télévision, entonces vemos otra novela por televisión. Mais cela veut dire, pero eso quiere decir que pour qu'il y ait un changement dans les attitudes politiques, que para que haya un cambio en las actitudes políticas, il faut à la fois que les gens comprennent le vide de cette, es necesario que a la vez la gente comprenda el vacío, cette dotation de sens, de esta dotación de sentido, et qu'ils découvrent en eux-mêmes, que descubren en ellos mismos, la capacité de donner eux-mêmes un sens à leur vie, la capacidad de darles ellos mismos un sentido a su vida, et donc de passer à une action collective, y por lo tanto pasar a una acción colectiva, qui pourrait permettre une société, que podría permitir una sociedad, dans laquelle chacun, en la que cada uno, pourrait donner le sens qu'il crée lui-même à sa vie et à sa mort, pudiera dar el sentido que él cree que tiene en su vida y su muerte. C'est ça, les deux grandes questions, esas son las dos grandes cuestiones, yo creo, qu'il faut se poser, que hay que plantearse, lorsqu'on regarde la société moderne, cuando se mira la sociedad contemporánea. Non pas pour tirer des conclusions pessimistes, no para extraer conclusiones pesimistas ou optimistas, esas palabras son falsas, mais pour essayer d'être lucide, sino para tratar de ser lúcido, par rapport à la fois aux possibilités d'évolution, con relación a la vez a las posibilidades de evolución, et par rapport aux vrais problèmes politiques, y con relación al verdadero problema político, parce que par exemple c'est un problème politique, porque por ejemplo es un problema político, de reconstituer des collectivités vivantes, reconstituir colectividades vivientes, et c'est un problème politique, y es un problema político, que de réfléchir, reflexionar sur une société, sobre una sociedad, où pour la première fois, donde por primera vez, il n'y aura pas de significations imposées de façon hétéronome, no habrá significación impuesta de manera heterónoma, mais la société pourra elle-même, sino que la sociedad podrá ella misma, créer ses significations, crear sus significaciones, et les investir, et investirlas, se passionner pour elles, apasionarse por ellas, amarlas, tout en sachant que, sabiendo, elles constituent une œuvre humaine, que constituye una obra humana, et que ne sont pas tombées du ciel, y que no han caído del cielo. Je termine. Termino. On célèbre actuellement le triomphe du capitalisme. Bueno, se celebra actualmente el triunfo del capitalismo. Mais je pense que quand la poussière des événements, pero pienso que cuando el polvillo de los acontecimientos vuelva a caer, et est en train de retomber très rapidement, y está cayendo nuevamente con mucha rapidez, on s'apercevra que les questions profondes sont toujours là, notaremos que las cuestiones profundas están siempre allí, et que la société capitaliste libérale s'enfonce dans la décadence, y que la sociedad capitalista liberal se hunde en la decadencia, et que avec elle, c'est toute l'humanité, y que con ella toda la humanidad, qui risque de subir une catastrophe irréversible. Quien corre el riesgo de sufrir una catástrofe irreversible. Il ne pourra y avoir une autre issue, no podrá haber otra salida, que si les hommes et les femmes, si los hombres y las mujeres, se réveillent partout, se despiertan, et décident de prendre leur sort entre leurs propres mains, y deciden tomar su destino entre sus propias manos. Et cela quiere decir qu'ils font leur un projet d'autonomie, que hacen suyo un proyecto de autonomía colectivo e individual. Il n'y a aucune garantie qu'ils le feront, no hay ninguna garantía de que lo hagan, mais nous ne pouvons rien faire d'autre, pero no podemos hacer otra cosa que travailler pour qu'ils se réveillent, más que trabajar para que se despierten, qu'ils se réveillent du sommeil et de l'abrutissement, que se despierten del sueño y del embrutecimiento, des supermarchés et des feuilletons télévisés, de los supermercados y de las novelas de televisión, et s'ils se réveillent de ce sommeil, y si se despiertan de ese sueño, on peut
peut être certain qu'ils auront décidé estar seguros de que decidirán de destronar l'économie et la production de la place souveraine où les avait placés le capitalisme del lugar soberano en que los ubicó el capitalismo et le marxisme et de remettre l'économie et la production à leur juste place y de poner a la economía y a la producción en su justo lugar qui est simple, simple moyen de l'existence que son simples medios de la existencia humana. Il y a eu des milliers de sociétés dans l'histoire de l'humanité. Hubo miles de sociedades en la historia de la humanidad. Chaque société s'est proposé certains fins. Cada sociedad se propuso determinados fines. La plupart nous paraissaient aujourd'hui très étranges. La mayoría nos parecería muy extraño, muy llamativo. Mais avec la distance, je crois. Pero con la distancia, yo creo. Que les historiens ne verront jamais de sociétés. Que los historiadores nunca verán sociedades. Qui se soit proposé des fins plus misérables, que se haya propuesto fines más miserables, plus dérisoires, más irrisorios, plus ignobles, más innobles, que l'expansion illimitée de la production pour la production, que la expansión ilimitada de la producción por la producción, et de la consommation pour la consommation, y del consumo por el consumo, à laquelle est attelée la société et l'humanité contemporaine, a la cual está tan fuertemente unida la sociedad contemporánea. Nous devons nous proposer la constitution de collectivités libres. Debemos proponernos la constitución de colectividades libres. Formées par des individus responsables et libres. Formadas por individuos responsables y libres. Et capables de donner un autre sens à leur vie. Y capaces de darle otro sentido a su vida. Que l'acquisition de quelques camelotes supplémentaires. Más que la adquisición de algunas mercaderías suplementarias. Quel sera ce sens qu'ils donneront à leur vie? ¿Cuál será ese sentido que le darán a su vida? Nous ne pouvons pas le dire à leur place. No lo podemos decir en lugar de ellos. Mais moi, au moins, je sais. Pero al menos yo sé. Ce que moi, je voudrais que ce sens lo que yo querría que fuera ese sentido. Ce serait la création d'êtres humains. Sería la creación de seres humanos. Aimant la sagesse. Que amen la sabiduría. Aimant la beauté. Que amen la belleza. Et aimant le bien commun. Y que amen el bien común. Je vous remercie. Les salariés.